On dirait qu'ils sont pas dans les parages. Bon, vu que je ne peux parler à personne et que je n'ai pas le soutien financier pour parler à un psychologue, je suppose que je suis condamné à parler à cette caméra. Je peux le faire. Je suppose que je dois me présenter. Bonjour, je m'appelle Clément et j'ai 16 ans. J'habite en Bretagne, à Landéda, qui est en Bretagne. Et aujourd'hui, je dois vous parler d'un problème qui me fout la vie en l'air. Et donc je dois en parler. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un enfant adopté et j'ai été éduqué par des parents qui ne m'aiment pas. Ou alors ils m'aiment, mais ils ne me le montrent pas clairement. Je vais prendre un exemple. J'étais petit, j'avais peut-être 6 ans. Et mon école primaire, il était très proche de chez moi, il était à 3 km. Et donc comme il était proche de chez moi, et que j'avais un peu peur de la route et que je voulais pas aller en vélo, bah je demandais à mon père, à mon papa, s'il pouvait pas m'envoyer en voiture à l'école parce que c'était pas très loin de chez moi. Mais non, il préférait regarder son émission là, à propos de Prairie, L'amour est dans le pré, je crois. Mais on s'en fout de tout ça, bref. Et c'est pas ça le pire dans tout ça, c'est que il me faisait pas de câlin, il me disait pas au revoir. Et surtout, il laissait un gosse aller en vélo sans gilet jaune au beau milieu de la route. Mais on laisse pas un gosse sans gilet jaune aller au bord de la route en vélo, merde! On doit quand même se poser de questions en tant que parent. Genre, est-ce que mon fils ne va pas crever au beau milieu de la route parce qu'un chauffard qui allait trop vite ne l'a pas vu? Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et ben 10 ans plus tard, mon cousin il est mort en moto parce qu'il a dérapé. Il en est mort. Je peux te dire que pendant la cérémonie, j'avais bien la haine contre mes parents et ses fichus frères et sœurs! Aucun d'eux ne mérite mon respect! Aucun d'eux! Aucun d'eux ne mérite mon respect, ma famille! Ce sont tous des cons! Aucun d'eux ne mérite mon respect! Donc pendant le deuil, après le deuil, j'essaie d'en parler avec ma mère. Mais regardez blasé, comme si elle se foutait de tout, de son fils. Du coup, des fois je me pose des questions sur ma mère biologique, sur ma vraie mère. Pourquoi elle m'a abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tu ne veux pas de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne veuilles pas de moi? Pourquoi tu m'as abandonné? Tout ce que je veux dans ce monde, c'est d'être écouté et aimé, merde, c'est pas trop demandé!